Bonjour et bienvenue pour l'épisode numéro 5 de la partie de Gears of War scénario Le Magasin de Porcelaine. Donc dans l'épisode précédent, Marcus s'en est pris plein le buffet. Il est assez mal là. Il n'a plus que 2 points de vie. Voilà. Donc heureusement, c'est à son tour. Et il va récupérer 2 cartes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'ils vont quand même, les gars, ils vont quand même essayer de shooter un peu. D'une part pour essayer d'être un peu plus tranquille, d'autre part pour récupérer, enfin pour ramener la berserker vers eux. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire notre ami Marcus? Il n'a plus tellement de choix en fait, Marcus, là sur ses cartes. On est un peu mal. On est un peu mal. Je sais pas trop quoi faire là. Je suis un peu embêté. Passez-vous jusqu'à 3 zones. C'est nul ça. Non. Il n'y a rien à faire de bon là-dedans. Bon, bah tant pis, je vais faire celle-là. Hein. Je vais quand même tirer. Donc je vais faire rechargement éclair, effectuer une attaque. Si vous dépensez un pion munition pour cette attaque, vous pouvez alors résoudre une seconde étape hors limitée une seule fois par tour. Mais je le ferai pas parce que j'ai pas assez de temps de vie. Donc je vais juste faire une attaque. Donc il va attaquer il va attaquer lui, hein, là il n'y a pas de problème. Donc lui il aura le drone, il aura 3 dés de défense, hein, puisqu'il est en couvert complet. Et Marcus il va tirer. Il va utiliser un pion pour une attaque d'extermination. De son pistolet court, donc il va avoir 3 dés aussi. Voilà. Bon, j'essaie de faire le ménage, hein. Ouais, tu vas gagner, mon gars, hein, c'est bien planqué là. Alors. Donc, ça, pour une attaque du pistolet court, c'est une touche. Ça, c'est une touche. Et ça, c'est 2 touches, ça fait 4 touches. Alors, le locus est vraiment bien planqué. Donc, il ne se reçoit aucun dégât. Je t'avais dit qu'il était planqué. T'es con, hein. T'as dépensé une minute. Ouais, bah attends, j'aurais voulu t'y voir, moi. Ouais, je te signale que j'y suis, hein. On est ensemble. Bon, un coup pour rien. Ça craint. Alors, la carte d'intelligence artificielle, donc c'est la Berserker. Si un CGU s'est déplacé ou attaqué durant ce tour, oui, tiens, d'ailleurs, elle a. D'ailleurs, hop, elle a entendu le bruit, là. Hop, hop, elle est là maintenant, la Berserker. Donc, si un CGU s'est déplacé ou attaqué durant ce tour, déplacez-la d'une zone vers le CGU. Puis la Berserker attaque chaque figurine dans sa zone. C'est excellent, ça. Je veux de la viande. T'es qui, toi? Mais non, je suis un copain. Pas copain, Berserker. Alors, la Berserker est là. 5 dés d'attaque. Et notre ami le drone, il a un dé de défense. Voilà. Vas-y la berserker, vas-y la berserker, vas-y. Ah, alors là, elle lui a fait sa fête.
Donc ça ne compte pas, ces dés-là, ils ne comptent pas, puisque c'est pour enlever. Et 1, 2, 3, 4, 5 points de vie. Le drone n'a que 3 points de vie, donc le drone... Hop, il a été... défenestré par la berserker. Oups, alors est-ce qu'il drop quelque chose? Merde. Ouais. Oh, mais c'est pas vrai. Hop, il drop une arme. Voilà. Bon, bah, c'est pas si mal ça. La berserker est arrivée. Elle commence à faire un peu le ménage. C'est pas bon. Pas mauvais. Pas mauvais du tout ça. Bon, et ben maintenant c'est au tour de Daemon. Daemon qui récupère que une carte puisqu'il a encore 5 cartes. Alors. Donc. Alors, effectuer une attaque, lui, c'est pas très intéressant parce que il est bien à couvert et donc là il n'a pas de ligne de vue. Ouais, c'est dommage. Ah ouais, c'est dommage. Bon, alors, c'est vraiment dommage. On va quand même faire ça. On va quand même faire ça parce que Marcus il est quand même mal. Voilà, on va quand même faire tir aveugle. Encore une fois. Donc, effectuer une attaque. Je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien, puisque j'ai aucune ligne de vue. Si vous êtes à couvert, vous pouvez faire une attaque supplémentaire. Donc, super, je vais faire encore une attaque supplémentaire. Et choisissez une figure CGU dans votre zone qui pioche une carte ordre. Alors, je me pose la question, est-ce que je peux pas quand même tirer, même si j'ai pas de ligne de vue? Parce que là, je l'ai pas. La ligne de vue, non, elle passe par le mur, ça, il n'y a pas de problème. Bon alors, pour demain. Juste pour faire du bruit, en fait, pour attirer la berserker. Est-ce que je peux pas tirer et rater, en fait? Oh, non, il faut que j'ai une ligne de vue pour effectuer l'attaque. Donc, non, je pense pas que ce soit possible. Bon, par contre, voilà, Marcus, il récupère une carte. Hop. Voilà, donc ils sont à 4 maintenant. Non, 4 Marcus et 3. Et 5 pour Daemon. Donc maintenant, on va faire l'étape d'activation des locustes. Alors, ce sont les rebuts. S'il y a au moins un rebut en jeu, oui, chaque rebut se déplace de deux zones vers le CGU le plus proche, puis chaque rebut attaque le CGU le plus blessé dans sa zone. Ah bah oui, il flaire le sang, sale pète. Là. Alors, voilà, il est là, le rebut. Donc, il attaque deux zones. Sauf qu'il n'y a personne, donc il attaque personne. Et c'est encore pas mal. Voili, voilà. Donc, fin du tour de Daemon. Alors, c'est pareil, je vais refaire encore un tour pour essayer de les... d'attirer la berserker quand même. Je vais juste regarder un petit truc dans les règles et je reviens. Donc, on va reprendre cet épisode numéro 5 avec Marcus qui pioche 2 cartes. Marcus, il est revenu à 6 cartes, ce qui est quand même pas mal. Alors, Marcus. Marcus, il va se planquer quand même. Hein. Parce que là... Ouais, il va faire l'action avancée, voilà, et
Déplacez-vous jusqu'à 3 zones. Alors, il va faire quand même une attaque, hein, il va pas se priver. Puis après, il va aller se planquer. Donc, bah, il va attaquer notre petit ami le rebut, là. Hein? Bah oui! Pourquoi il attaquerait pas cette sale bête? Alors, donc il va faire une attaque Lanzor normale. C'est-à-dire avec seulement 2 dés d'attaque. Voilà. Et le rebut, il a combien de défense? Il a 1 de défense. Voilà. Bon, tu vas le shooter cette fois, Marcus! Seconde, tu me stresses là! Attends, merde! Ouais. Bon. Cette fois au moins, tu l'as touché. Ouais, ça va, hein, ça va! Donc il se prend que 1 de dégâts, le rebut. Et comme il a 2 points de vie, et ben on met un petit marqueur comme ça en dessous de lui. Voilà, il lui reste 1 point de vie au rebut. Hops! Et par contre. Oui, d'accord, j'ai pas mis. Voilà, ça c'est mieux. Donc j'ai mis un petit marqueur. Le petit marqueur, je l'ai mis en dessous de lui. Et Marcus, il se déplace et il va se mettre à couvert ici. Donc phase d'activation des locustes. Pour chaque drone. Ouais, il y en a des drones. Hein. Si un CGU est dans la ligne de vue. Non, aucun. Sinon, déplacez-le de 3 zones vers le CGU le plus proche. D'accord. Alors. Hop, les drones, ils sont là. 1, 2, 3. Salut! 1, 2, voilà. Là, ils s'approchent. Là, les mecs, on est mal. Marcus? Ouais? Je suis un peu planqué, mais enfin, les mecs, je crois qu'ils m'ont vu, là. Ouais, je crois aussi qu'ils t'ont vu. Hein. Et bien, justement, c'est à Daemon. Donc, Daemon, il va récupérer une carte, puisqu'il a 5 cartes. Alors. Alors, ce qu'il va faire, alors Daemon, il va faire assaut. Donc, il va se déplacer et effectuer une attaque. Il se déplace ici et maintenant il va attaquer dans cette zone là avec une grenade pour essayer de shooter les deux drones en fait. Voilà. Alors la grenade, donc je rappelle la grenade, il n'y a pas d'attaque normale, on est obligé de dépenser un jeton de grenade. C'est à 2 de distance, donc là c'est bon, je suis à 1. Et c'est une attaque qui cible une zone et non une figurine. Et ça ignore le couvert. C'est-à-dire même si les locustes étaient à couvert, on s'en fout, ça pète quand même, c'est quand même une grenade. Et ça peut sceller un puits d'émergence si j'ai un crâne, mais là il n'y en a pas. Le puits d'émergence, il est dans la. Le puits d'émergence est dans la zone à côté là. Elle est là. Et là, il y a une petite séparation ici. Là. Donc je dépense un jeton grenade. Et je lance, donc, comme c'est écrit sur la carte, 4 dés. Hop, 1, 2, 3, 4. On y va. Et en fait, chaque figurine se défend. Donc d'abord, je lance les dés d'attaque. Et ensuite, je lancerai les dés de défense pour les locustes, c'est-à-dire pour les drones. Alors, donc ça fait... Donc ça, on s'en moque. Donc ça fait 1, 2, 3 de défense. 3 dégâts. Donc la grenade, elle a quand même bien explosé. Et donc on va voir comment se défendent les drones. Alors, d'abord, on va faire lui là.
Gérard. Gérard le drone. Oups. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à Gérard? Bah, Gérard, il se défend pas du tout, donc il prend 3 points de vie, et comme Andromède a 3 points de vie, Gérard le drone est explosé. Alors, il drop quelque chose. Rien du tout. Alors, cela dit, il y a les 2 armes droppées sur les 6 qui sont déjà passées, donc mais bon. On s'en doutait un peu. Et maintenant, Alfred, le deuxième drone, ici. Comment va s'en sortir Alfred? Alfred, il s'en sort pas. Alfred est explosé aussi. Et il drop une croix rouge. Voilà, donc là, magnifique. T'as vu Marcus, t'as vu ma grenade? Non mais t'as vu ma grenade? Ça c'est du boulot. Je suis désolé, ça c'est du boulot. Toi t'en fous pas une rame. Ah d'accord, tu fais joujou avec ton lanzor, un petit coup de tronçonneuse par-ci, un petit coup de tronçonneuse par-là. En attendant, moi, t'as vu les deux gars? Chut, Alfred et Georges là, et Gérard? Au trou. Donc voilà, donc Demon a bien fait son job et on va tirer une carte intelligence artificielle. Et donc c'est la Berserker. Si un CGU est dans sa zone, non. Sinon, déplacez-la de 2 zones vers le CGU le plus proche, puis infligez une blessure à chaque figurine dans sa zone. Alors, je crois que j'ai oublié quand même de la déplacer. Déjà, j'ai oublié de la déplacer au moins une fois pour la grenade. Voilà, donc là, normalement, maintenant, elle est là. Et je crois que j'ai oublié de la déplacer aussi. De Marcus, donc elle est là. Ouais, je regarde sur la vidéo, mais il me semble qu'elle est là. Et donc là, elle avance de 2. 1, 2. J'arrive. Wow. Ouais, elle arrive. Donc voilà pour le tour de Demon, c'est fini, donc c'est la fin de l'épisode numéro 5. Et ben, je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures de Marcus et Demon contre la Berserker. Allez, ciao!